te plaît, Hugo. Parle-moi. Regarde-moi, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Amicia, on ne peut pas rester là. Il refuse de me parler. Il faut partir. Hugo, réponds-moi. Amicia, il faut se mettre en route. Et où veux-tu qu'on aille? Sur le port. On n'a plus rien à faire ici. J'ai besoin de calme. On se trouvera un abri au calme. On n'y arrivera jamais, Lucas. Jamais. Jamais on trouvera la moindre paix. Regarde-le. Regarde. Je passe devant. Ne pense à rien. Suis-moi, c'est tout. Je vous emmène. Vous pouvez compter sur moi. Je vous porterai s'il le faut. Mais je vous sortirai de là tous les deux. Respire bien à fond. Et lève-toi. Tu vois que tu peux. Allez, Hugo. Bien. Maintenant, je vous sors de là. C'est ton bras? Mon épaule. Il faut la replacer. Vas-y. Ne bouge pas. Ça va faire mal. Allez. Hugo, on y va. Regarde, là-haut, une ouverture. On peut passer par là. Comment on va? À l'étage. Il y a sûrement des choses qu'on pourrait utiliser. Je vais voir. Reste avec lui. Amicia, tu es toujours blessée. Essaye de le ramener. Fais ce que tu peux. Je t'en prie. D'accord. Mais ne t'éloigne pas trop. Bon, Hugo, je pense que tu peux m'entendre. Continue. Je suis désolé. J'ai besoin de savoir si tu vas bien. La peau est pâle. Les marques de la macula, en revanche, semblent s'étendre. Ça reflète sûrement sa diffusion dans ton esprit. Allez ! Laisse-moi voir tes yeux. Pupilles pas dilatées. Il clignait à peine.
comment je vais faire. Pitié. Je peux pas. Aidez-moi. Oh, Seigneur. Oh. Arrête. Arrête. Lève-toi. Lève-toi et vas-y. Comment va-t-il ? Son esprit semble éteint. Je pense que ce n'est pas seulement le choc. C'est la macula. Alors, il va pas revenir ? Pas encore. Utilisons cette chose. Allez, Hugo. C'est coincé. C'est beaucoup trop haut. C'est le seul moyen, Lucas. Amicia, on pousse. Voyons ce qui est derrière. Exactement les mêmes choses dans le tombeau du porteur. Ça tuera le soleil. Quoi ? Tueur de soleil. Le dévoreur de lumière. C'est la nébula dont parlent les écrits. Elle existe. C'est chez moi. Non ! Non ! Ce n'est pas chez toi ! Hugo, regarde-moi ! Ce n'est pas lui, Amicia. C'est la Macula qui parle. Elle veut combler le vide laissé par la mort de votre mère. J'aurais dû la sauver. Mais ce n'est pas encore fini. Tu m'entends, Hugo ? On va retrouver ce bâtard de comte et le massacrer ! Non, assez ! Amicia, on doit quitter cette île maudite et l'emmener très loin d'ici. On va le perdre, Amicia, concentre-toi! Tu dois le faire revenir. Parle-lui, empêche-le de sombrer. Il a besoin de toi. D'accord. D'accord. Restez près de moi. N'approche pas des vapeurs. Ça brûle.
Il y en a encore. Je les vois. Attention. C'est pire que tout. Macula se renforce. Je sais que tu es toujours là, Hugo. Je t'en prie, tiens bon. Attends. Lucas, on doit y aller, vite. Oui. Viens, Hugo. Non! Je reste. Cet endroit n'est pas bon pour toi. Ici, c'est chez moi, ici, c'est ma maison. Arrête! Tu viens avec moi, que tu le veuilles ou non, c'est clair. Vous entendez? Il vient avec moi! Tu les as mis en colère. Ils arrivent! Mouais! Là! Donc j'ai bien peur! Tu vois? Il y a encore de la lumière. Ce n'est pas fini. Allons-y. Oui, je suis prêt. On doit encore atteindre le port. Il y a quelque chose d'étrange avec la mer. La terre a disparu. C'est moi. Non. C'est de ma faute. C'est celle des rats.
C'est moi qui ai fait tout ça. Non, c'est le comte et la comtesse. Partons. Partons loin d'ici. Seigneur, les secousses ont amené ces maudits œufs à la surface. Oui, ils sont encore là. Toujours. Toujours dans ma tête. Hugo ? Laisse-le, Amicia. C'est pas vous qui commandez. C'est moi qui commande. Obéissez-moi. Vous m'entendez? Obéissez-moi. Très bien. Je crois qu'ils t'ont entendu. Je ne t'avais jamais vu faire ça. Parce que ça fait mal. Je suis désolée. Ça, cette secousse a cassé les jarres d'huile. Des soldats. Pourquoi on veut toujours l'enfant? Il va causer notre perte, il a tout détruit. C'est arrivé parce qu'il est sous l'influence de la profanatrice. C'est pour ça que le comte veut absolument sa tête. Ah, j'espère que ça va marcher. Profanatrice? Tu as hérité d'un nouveau titre, Amicia. Le comte est toujours vivant et continue de répandre ses mensonges. Ils sont à nos trousses. Quelqu'un nous attaque! Restez sur vos gardes!
a fait ça? Ça, peut-être. Je me doutais qu'ils allaient recommencer. Je vois un bateau là-bas. Oui. Oh, pitié, sois en vie, pitié, sois en vie. J'arrive pas à croire que la comtesse est morte. Il paraît que le comte est complètement abattu. Il viendra même pas à la pendaison. Ils ont construit une potence sur la place du port pour Arnaud. Ils pendent la muraille? Merde, j'aurais bien aimé voir ça. Ouais, moi aussi. Il est pas mort. On doit l'aider. On n'a pas le temps. On est obligé d'y aller. Vraiment, même après ce qu'il a fait. D'accord. On doit aller au port de toute manière. On récupère Arnaud et on se tire de là. Attention en descendant. D'accord. Thank you.
voient ce qu'ils font aux gens qu'ils attrapent. Ouais. On a eu nos morts, nous aussi. Et beaucoup d'entre eux n'auront pas de sépulture. Jour radieux, tu parles. Ça ressemble plutôt à l'enfer sur Terre. L'enfant nous sauvera. C'est l'enfant qui nous a fait ça. Il l'a fait à cause d'elle. Mais le comte lui apprendra. Il lui montrera comment illuminer le monde. J'espère juste que je serai encore là pour le voir. Où est Arnaud ? Il faut aller plus vite. Ils vont le tuer. On fait tout ce qu'on peut. S'il le tue, moi je les tuerai tous. Tu n'auras pas besoin. Nous allons le sortir de là. Et Sophia aussi. Monte. Descends prudemment. Oui. Sauver. Même s'il ne le mérite pas. Je vois. C'est une sacrée troupe que vous avez réunie là. Grimpe. On monte. D'accord. Tu peux t'aider ? Oui !
Alicia, tu vas y arriver. Oui. Ils ont des renforts. Maintenant. Il est à toi. Vas-y, achète-moi cette panda. Et tu crois que je fais quoi? Je me demande bien. Terminé maintenant. On y est arrivé, Hugo. Oui. Respire. Calme-toi maintenant. Allons libérer Arnaud, d'accord? Oui. S'il vous plaît. Alors allons-y. Hugo dit que c'est à lui. Sophia ! Vous en avez mis du temps. Tous à bord. Allonge-toi dans un coin. Attends. Et ta mère? Elle reviendra pas. Il faut partir. Vite. Je vois. Je m'occupe du reste. Toi, viens. Reviendra jamais. Je sais. J'aurais voulu lui dire des tas de choses. Moi aussi. Mais elle savait. Elle savait déjà tout. Tu étais le plus beau des cadeaux. Elle t'aimait tel que tu es. Tel qu'elle t'a fait. On va vivre. Et on va guérir. Nos blessures. On doit les garder. Pour ne pas oublier. Pour les accepter. Jusqu'à ce qu'elles ne fassent plus mal.
Je ne pensais pas qu'on reviendrait. On n'est pas tous revenus. Mais il ira mieux maintenant. Comme nous tous. Je suis là si tu as besoin de parler. D'accord. Oh, de l'air frais. La rascasse. Tu nous as sauvés. Il s'est évanoui. Reste là. Il vaut mieux ne pas te réveiller après tout ça. Crois-moi. Comment est la vue ? C'est beau. À quoi tu penses ? Tu crois que je suis différent ? Eh bien, je ne sais pas. Tu as faim ? Hein ? Oui. Alors, tu es toujours toi. Je me sens... différent. Tout a l'air différent. Ça s'appelle grandir, Hugo. Et certaines choses font grandir plus vite. C'est vrai ? Oui. Mais on va calmer les choses maintenant. On va prendre tout le temps qu'il faut. J'ai hâte d'être dans la montagne. Bientôt. Très bientôt. On rentre à la maison, Hugo. Notre maison. Oui. Je pourrais dormir des semaines. Je rêve d'un bain aussi. Hé. Ah, hé. Comment tu te sens ? Toi d'abord. C'est comme... après un rêve étrange, un rêve horrible. Mais je pouvais pas me réveiller avant de l'avoir fini. Transformé. Comme... une renaissance. Il y a une nouvelle maison qui nous attend, Lucas. Est-ce que tu viens avec nous ? Eh bien... je dirais... que Hugo et toi, vous êtes ma maison. Alors, oui. On est heureux de t'avoir à nos côtés. Salut. Bien dormi ? Je me suis réveillée en pensant être morte. Un grand classique. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ma mère... elle avait une maison. Une vieille maison dans les montagnes. Je lui ai promis qu'il pourrait être heureux. C'est là qu'on ira. C'est une bonne idée. Tu seras toujours la bienvenue. Même si tu n'aimes pas l'altitude. Eh, les gens changent. Amicia, viens voir. Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il va bien ? Qui sait ? Et si on lui demandait directement ? D'accord. Tu es vivant ? À ton avis ? Les morts, ça parle pas. Bien fait. Et... je suis désolé pour... mais... pour tout ça. Merci d'avoir convaincu ta sœur de m'aider. Tu m'as sauvé. Ça alors, tu t'es enfin décidé à être gentil ? Ne le fais pas regretter. La guerre est finie, Arnaud. On a tous mérité un peu de repos. Tu devrais essayer, toi aussi. Hé ! Un bateau ! Oh non, c'est le comte ! Il est en train de nous rattraper ! Tu vois, c'est le problème avec la guerre. C'est pas toi qui décide quand elle s'arrête. Non, non, c'est pas possible! Va à l'intérieur, tu seras à l'abri. Reste à la barre! On va hisser la voile! Amicia, par ici! Et les autres? De l'autre côté! D'accord! Reste dans la cabine, quoi qu'il arrive. Allez! Vite! Ce salaud veut pas lâcher le morceau! Il faut les distancer! S'ils nous abordent, c'est fait! Viens! Ils continuent!
minutes gardien du terrain. Oh non, non. Qu'est-ce qu'on fait? Tournez la voile dans le sens du vent. On a besoin d'un meilleur angle. Amicia, va sur le pont inférieur. Tout de suite. Je vais te donner du mou pendant que tu tires vers toi. Oui. On n'a pas le droit d'échouer, Arnaud. Aucune chance. Ça marche. On prend de la vitesse. Mais ça ne suffira pas. On ils est arrivent. Très chargé. Jetez de la cargaison à l'eau. Tout de suite. Donne-moi un coup de main, Amicia. J'arrive. Oh, laissez tous la tête. M'occupe du chargement. Vas-y. Tiens bon, j'arrive. Vous pensiez vraiment vous enfuir avec mon enfant? Ce n'est pas ton enfant, espèce de fou. Hugo, viens avec moi. Hugo, viens ici! Oh, désolé, petit. Les rats ne t'aideront pas ici. Non! Voyez ce petit être si fragile. C'est bon! T'as gagné! Ne le tue pas! Le tuer? C'est le fils d'Emily! Mon fils! C'est un dieu! C'est un fléau, Victor! Tu dois le laisser s'en aller! Avec sa sœur! Non! Je le dois à Emily! Avec elle, j'étais si sûr que ce monde portait autre chose que le sang, la guerre, que je pouvais étouffer cet incendie qui couve. Mais en vérité, les gens comme nous viennent au monde pour attiser les flammes. J'ignore ce que tu veux faire, mais tu échoueras. Il causera ta perte. Cet enfant fera ce que je lui ordonnerai.
Nous plongerons ce monde dans les flammes. Et je bâtirai un empire sur ses cendres. Un monde bien meilleur. Reviens ici, lâche! Tu dois du sang! Je me suis déjà acquitté de ma part. Tout ce qui compte, c'est que mon fils se repose. Achevez-le!